Je refais cette vidéo pour aller encore une fois sur l'exosquelette dans Skyforge. Alors regardez bien mon compagnon, il vient de faire une attaque. Donc on a un exosquelette, c'est marqué dans l'équipement exosquelette. Il y a marqué base, au début du combat, l'exosquelette a 20% de chance de charger l'attaque de votre compagnon. Voilà. Et de la régénérer et de doubler ses dégâts. Donc c'est-à-dire que si j'attaque 5 combats que j'arrête, si je fais 5 combats que j'ai tué tous les ennemis, statistiquement, je devrais avoir au moins une fois une recharge du compagnon. Ok, donc commençons. Premier combat. Ce que est censé faire l'exosquelette. Hein. On n'a pas vu le laser partir de la taille du compagnon. Vous verrez si ça part. Vous le verrez tout de suite. Premier combat. Combat terminé. Personne d'autre m'attaque. Je suis plus engagé dans un combat. Il n'y a pas eu de recharge. Ouais, la petite boule rouge qui est à côté de moi là. Au-dessus de moi. Deuxième combat. Je vais en faire une dizaine pour que vous voyez bien. Mais il faut avoir l'exosquelette. Je l'ai encore. Il n'y a plus eu d'attaque du compagnon encore qui soit rechargé. Une chance sur 5, 20% c'est une chance sur 5. C'est-à-dire qu'à 5 recharges, 5 attaques, 5 combats, on devrait obtenir ces 20%. On devrait obtenir la recharge de l'attaque du compagnon. C'est un petit laser qui l'envoie. Et au début de chaque combat, donc au début, dès que j'engage, il l'a pas fait. Il attaque dès le départ. Il n'y a pas eu d'attaque dès le départ. Il attaque et il double il recharge et il double son attaque. Ça, je vais m'en débarrasser. Je suis toujours pas engagé dans un combat. Je vais le faire une dizaine de fois. Pendant le même boss, histoire de dire qu'il doit tenir. Pour pas que ce soit moi qui le tue en un coup. Je commence l'attaque. J'ai pas vu le compagnon attaquer. J'ai pas vu le laser partir. J'ai toujours l'exosquelette. Je l'ai encore. On est à 3. Et bon, bah, peut-être le quatrième ou le cinquième. Statistiquement, après, c'est un échantillon statistique. On va aller jusqu'à 10 pour savoir. Je peux le faire 100 fois, ce sera la même chose. Hein. Il n'a pas attaqué. On n'a pas vu le laser partir. Je suis toujours en exosquelette pour vous montrer. Là non plus, c'est la cinquième fois. Vous allez me dire, bah, des fois ça n'arrive pas à 20%, ça ne veut pas dire que ça arrive une fois sur 5. Statistiquement, ça veut dire que sur 100 fois, ça arrive 20 fois. Vous voulez que je le fasse 100 fois? On est à la cinquième attaque, cinquième combat. Donc c'est au début du combat, vous êtes censé avoir mis un reload. Il n'y a pas de reload de l'attaque du compagnon. On est à 5. On va attendre, je vais même 6, 10 fois. Sur 10 fois, statistiquement, ça devrait l'avoir fait deux fois. Au moins une.
sur 24 fois. Donc au moins une sur 20 fois. On est à 5. On est à 0 sur 5. Donc pour l'instant, c'est plutôt de l'ordre de 0% de recharge de compagnon. Pareil, il n'y a pas eu. On l'entend, hein, quand il y a une large décharge de compagnon, ça fait tchouk! On entend une décharge électrique qui l'envoie. Cette attaque est censée en même temps me créer autre chose que je vous montrer que ça n'existe pas non plus. Exosquelette est une grosse arnaque de ma game. Une arnaque. Je l'ai encore. J'ai pas vu l'attaque partir. Donc je verrai le laser. T'as pas bougé. J'ai bouclé du Saronite qui le protège. Donc c'est censé activer au moins une fois. Là on est à 7. Il n'y a pas eu d'attaque du compagnon. Je peux le faire 100 fois. Il y aura zéro recharge d'attaque du compagnon. Le compagnon, il va attaquer régulièrement, comme d'habitude. Au début du combat, toujours pas de recharge. Il n'y a plus eu le laser qui est parti. On va attendre. Pas non plus, j'ai lancé l'attaque, il n'a pas lancé de laser. On est à 8 fois, il me semble. Je pourrais le faire 100 fois pour vous montrer qu'il ne le recharge pas. Il y a un temps automatique à partir duquel le compagnon s'est rechargé tout seul, au délai. Je commence ce combat. On n'a pas vu son laser partir, il s'est pas rechargé donc. On est à 9 fois. Je pense qu'on va pas chercher 50 fois à midi 14h. Hein. Ce qui n'existe pas, n'existe pas. Pas chercher midi à 14h. C'est-à-dire que quand ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bah, effectivement, on voit pas l'attaque du compagnon qui se recharge. On est à 9. Et là encore, c'est pas rechargé. Donc 0 sur 10, on est plutôt proche quand même de 0%. Fallait marcher, 0% de chance de recharger votre compagnon et l'attaque de compagnon et de doubler ses dégâts. Donc on est à 0%.
Bien ça qui est marqué, hein, je ne me trompe pas. Équipement exosquelette. Au début du combat, l'exosquelette a 20% de chance de changer, de charger l'attaque de votre compagnon, de la régénérer et de doubler ses dégâts. Donc ça doit arriver statistiquement 4 fois sur 20. 20 fois sur 100. En fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive juste pas. Ok? Et bien ça, c'est de l'arnaque. Ça s'appelle du vol. C'est de l'arnaque. D'accord? C'est de l'arnaque.